Et salut tout le monde! Alors on reprend. On devait rechercher le père là de Edmund, ou Edmund, je sais plus. L'Elderman, quoi. Bah tiens, j'ai déjà un coffre juste là à côté. À 30 mètres. Alors on va voir comment est-ce qu'on va faire ça. Cache dans les taillis. Ouais, il est bien là, ouais. Il est par là. Peut-être me la faire discret. Peut-être. Arrête-toi! Ce n'est pas au paradis que tu vas! On va essayer de prendre des coffres aussi. Bah, je pense que je vais y aller à l'arrache. Hein. T'es où ce coffre? Là-haut. Ça me gave un petit peu de faire tout ça discrètement. Je suis plein. Par contre, il va falloir que je passe par là-bas. Ah ouais, ok. Je suis sur la bonne piste. Ce donjon est... compliqué que je pensais. Ok. Attends bien gentiment à côté, t'as bien raison. Qu'on récupère une nouvelle aptitude pour l'arc. Ouais. Je suis sur la bonne piste. Ce donjon est bien protégé. Vous êtes conduit à un endroit né magnifique de vous. Vous avez mérité un long retour. Merci beaucoup, belle Galerina. Et voilà, monseigneur. Tout est préparé. Êtes-vous prêt à être lavé?
Il est mort. Qui est là ? Bienvenue, étranger. Tu es venu rendre hommage à notre seigneur Elderman ? Ton Elderman n'est plus en état de tenir conversation depuis longtemps. Mais il reste d'agréable compagnie. J'ai reçu ordre de laver et de préparer son enveloppe terrestre. Et qui te l'a ordonné ? Les soldats. Lorsqu'ils l'ont amené, il protestait. Faiblement. J'ai fait de mon mieux pour le soulager. Et puis... il s'est éloigné. Pourquoi avoir caché la mort de ton Elderman ? La population du Lincolnshire a le droit de connaître son sort, Unvald le premier. Lorsque les gardes me l'ont confié, ils m'ont dit de garder tout ceci secret. Jusqu'au moment opportun. Lorsque j'ai demandé qui a donné de tels ordres, on m'a frappé. Je ne puis en dire davantage. J'ai vu ce que je voulais voir, mais Unvald voudra une preuve. Bien sûr. Fouille librement dans ses affaires. Mais je ne peux te dire quel objet pourrait te satisfaire. Je trouverai quelque chose. Des vêtements moisis. Et une broche ornée d'un blason. La maison du cygne féroce. Exactement. Cela fera l'affaire. Je vais rapporter cette broche à Unvald, à Lincoln. J'espère que cette triste nouvelle ne l'éprouvera pas trop. Des herbes et des baies, séchées et réduites en poudre. Le délai entre le départ de Monseigneur et ses funérailles est plus long que de coutume. Monseigneur doit rester présentable pour les rites à venir. Prends soin de toi. Toi aussi. Je vais vous conduire jusqu'à votre crypte familiale de Nettleham, à Lincoln. Là, vous reposerez auprès de vos aïeux, les glorieux rois de l'Unzed d'autrefois. Je t'en prie, ne profane pas notre seigneur. Je suis un Danois, pas un modèle de cruauté. Ah, les déjections de rats partout. Même mort, mon seigneur est l'ami de toutes les créatures de Dieu. Je ne sais pas ce que c'est, et je préfère ne pas demander. Oui, j'ai pensé la même chose. C'est trop. Ok. Je ne sais pas ce qu'il y a là derrière, mais j'aimerais bien le savoir. Est-ce que c'est intéressant ou pas ? Non. Merde, c'était quoi le... Ah non. Non. Ah, j'ai oublié. Commande. La torche. C'était pas T. J'ai pas vu, mais... Ouais, voilà, ça me revient. Ok. Bon bah c'est... Si c'est tout ce qu'on a... Pourquoi pas? Donc du coup à 1000 mètres. Ouais, faut que je retourne là-bas, mais vu que je n'ai pas pris... le point de téléportation... On y retourne à cheval. C'est pas grave. Bien voir comment ça va se passer quand il va apprendre la nouvelle de la mort de son père. Depuis un petit moment quand même.
Est-ce que ce serait là-haut? Pas de forte chance. Une fois, cela se passera mal. C'est bien ça. Les gardes quand même. Eivor, quelles sont les nouvelles? Ton père, il est mort. Quoi ? Le sceau de la maison d'Umbeort. Je l'ai trouvé près de sa dépouille. Non. Non, c'est impossible. Il était fort. Un pilier du Lincolnshire. Il ne peut pas être mort. Oh, mon pauvre garçon. Je suis triste pour toi. Je suis un homme, Atcha. Tu entends ? Je suis un homme et le fils de mon père. Ne l'oublie jamais. Cela fait un certain temps qu'il est mort. L'état de son cadavre en témoigne. L'un de vous en sait plus qu'il ne veut bien l'avouer. Je suis désolé, Unwald. J'avais demandé à un prêtre d'administrer les derniers sacrements à ton père avant sa disparition. Comment ça ? Si je ne te l'ai pas dit plus tôt, c'est parce que je pensais qu'il aurait survécu par miracle. Tu m'as menti ! Espèce de crétin pleurnichard ! Tu ne grandiras donc jamais ! Que Dieu ait pitié de cette femme. Elle aurait dû parler plus tôt. C'était son devoir de s'exprimer. Unwald était le fils d'un Elderman. Va-t-il prendre la place de son père ? Le titre n'est pas héréditaire, mais il peut plaider sa cause devant une assemblée du comté. Le roi Ceowulf devra ensuite ratifier la décision. Explique-moi comment fonctionne cette assemblée. Il s'agit d'une réunion de seigneurs. On la convoque de temps à autre pour décider de la direction à suivre. J'ai toujours eu l'intention de réunir cette assemblée. Mais entre les troubles à Lincoln et les attaques de bandits, la repoussée sine die s'est avérée commode. Quelqu'un dans le comté veut la mort de Unwald. Si je dois constituer une armée pour éviter que cette réunion soit une embuscade, je le ferai. Cette assemblée est placée sous le signe de la loi et le regard de Dieu. Unwald et toi ne craignez rien. En dehors de Unwald, qui prétendra au titre d'Elderman ? Pardonnez mon arrogance, mais j'aimerais proposer mon nom. Sous ma conduite, le comté a connu une certaine paix ce mois-ci. Je me présenterai aussi. Ma famille a des liens très anciens avec ces terres. Et je suis fier de dire que j'ai noué des amitiés avec les Danois du Nord.
Bien, les prêtres vont annoncer dans tout le comté la tenue de l'assemblée. Nous allons la convoquer d'ici quelques jours. Rends-moi visite sur mon domaine, Eivor. J'ai quelque chose pour toi. Quelque chose qui devrait te plaire. Je tâcherai d'y penser. Eivor, un mot si tu le permets. Ce mot est-il chrétien ou païen ? Oh, je regrette profondément mon si piètre accueil lors de notre rencontre. Je ne t'ai pas traité ainsi que l'ordonne mon Dieu, avec bonté et amour. L'amour n'est pas un sentiment qui se commande. C'est vrai. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir résolu ce mystère. J'espère que tu seras présent à l'assemblée. Ils sont tous louches. Maintenant que la mort de Unbeort est ébruitée, les ennemis de Unvald risquent de frapper à nouveau. Je dois le trouver avant eux. Alors, où est-ce qu'on en était ? Soin de la dernière chance, oui, c'était ça. Je ferai bien de la suivre. Plusieurs quêtes. Celui-là. Et dans l'inventaire, qu'est-ce qu'on avait de nouveau? Une rune, je suppose. Non. Des runes, si, là. Et j'en ai quand même pas mal, hein. Ah, d'ailleurs. Vu que j'ai changé, voilà, ça. Résistance, dégâts incendiaires. Évitement, résistance... C'est quoi, c'est en bas? Plus 4 armures. Allez hop, vas-y voir ça. Ah, est-ce que c'était le seul? Non, je pense que c'est tout bon. Ça, j'ai toujours rien. C'était juste à côté, hein. Ouais, je ne risque rien, mais ce sont toujours des ennemis, hein. Ce sont des Saxons, quoi. Acha, où est Unvald? J'ai tenté de le réconforter, mais il m'a repoussé. J'aime ce garçon, crois-moi. Mais je crains ce qui se passerait s'il prenait le titre de son père. Il est fragile et cervelé. Je l'ai vu chevaucher vers le nord, le long de la voie romaine. Vers le vieil arbre où il passait souvent du temps avec son père, j'imagine. Quel démon t'a poussé à une telle traîtrise? On ne m'y a pas poussé, Eivor. Je m'y suis sentie obligée pour le bien du comté. Jusqu'à ce que j'apprenne la vérité. Une belle réponse pour un mensonge bien laid. Je dois implorer le pardon de mon Dieu. Le Seigneur relève les doux. Qu'est-ce qui se passe ? Nous devons le louer. Il ne m'attaque plus. C'est plutôt un bon signe. D'accord, donc je vais au nord. Donc. Tu t'es trompé d'homme. Je ne connais aucun. C'est quoi ce délire? On va couper.
Je me rappelle les journées que nous avons passées ici. Eivor, quelle agréable surprise. Tu veux boire avec moi ? Unwald. Viens, assieds-toi. Viens avec moi un moment et contemple. Contemple la vue. Méfie-toi du chagrin, Unwald. Si tu le laisses t'envahir, il t'empoisonnera le sang, et cela jusqu'à la fin de tes jours. Oh, ne t'en fais pas. Pour cela, j'ai déjà trouvé l'antidote. Ne te complais pas dans le chagrin. Ne succombe pas à la peine. Mais laisse l'amour filial diluer l'hydromel de tes yeux et te mener au triomphe. Oh, est-ce que c'est beau? Mon père t'aurait beaucoup aimé. Il appréciait ce qui manie aussi bien l'épée que le verme. Il avait un grand cœur et adorait son peuple. Je crois que je l'aurais aimé aussi. Lui et moi, on avait l'habitude de venir ici. Il m'emmenait chasser. Et quand il m'arrivait de tuer quelque chose, c'était tout petit et pas vraiment comestible. J'étais un chasseur exécrable. Mais il s'est toujours dit fier de moi, à chacune de nos chasses. À lui! À ton père, le seigneur Unbeort de Lincolnshire. Il a peut-être quitté ce monde assez diminué, mais, vivant, il était aussi robuste que cet arbre. Un sage vieux chêne. Oui. Skål. Skål. Et alors mon père a dit... C'est la bonne chèvre. Mais pas le bon côté. Ma Swanborough adore cette histoire. Elle a vraiment le sens de l'humour. Elle aurait plu à père. Oui, ton amoureuse danoise. Elle a l'air très bien. Un peu trop pour être vrai. Tu sais quoi? On devrait aller la voir. Oui, allez à Grimsby. Grimsby. Oui, oui, oui. Pas un instant à perdre. Après toi. Rien de tel que boire et chevaucher pour avoir raison de ses tracas. Et du contenu de son estomac. Allons, et profite de la splendeur de mon comté. Vous, les Saxons, vous avez la splendeur bien plate. Et les montagnes, les fjords profonds comme l'entaille d'une hache faite par un géant, les hautes cascades, fumantes, jusqu'en hiver, la neige étincelante, comme un lit de joyaux. La voilà, la splendeur. Eh bien, si ton pays est aussi splendide... Pourquoi venir en Angleterre ? Rien ne pousse sur un lit de joyaux. Bien dit ! Je veux bien le reconnaître. Vos campagnes sont d'une rare beauté. Il est vrai. Il est vrai. J'adore ces terres. Et si je parviens à marcher dans les pas de mon père, je ferai tout pour les protéger. Je sais que beaucoup me trouvent insouciant et inexpérimenté. Mais j'aimerais qu'on me juge sur mes espoirs d'avenir, et pas sur mes erreurs passées. Si à la tête de cette contrée je me montre notoirement incapable, qu'on me fasse honte et qu'on me punisse, mais qu'on m'accorde cette chance. Par Dieu, qu'on me l'accorde! Bon, j'espère que c'est pas bien loin parce que tu peux pas accélérer, non? Qu'est-ce que c'était? Des oiseaux, Eivor. Personne ne leur a dit. Ah, embuscade. C'était un jour de deuil. Chut. Silence.
Arrête-toi. Quelque chose ne va pas. Je trouverai ce danger avant qu'il ne nous trouve. Regardez-moi faire. Bien joué, Eivor. C'est la deuxième fois qu'on tente de te tuer, Unwald. Et qu'on échoue. Par chance seulement. Mais si tu ne te montres pas plus prudent, ils réussiront. Quelqu'un de Mercy veut ta mort. Et est prêt à tuer tous ceux qui tenteront de l'empêcher. Oui, y compris ma chère Swanborough, ma bien-aimée. Allez, dépêchons-nous. Je suis sérieux, Unwald. Tu m'entends? Oh, éclair! Suis-moi! Unwald, tu es certain que cet endroit est sûr? C'est le plus sûr de la contrée, oui. J'ai l'occasion de porter le titre d'Elderman, mais je dois encore faire mes preuves. Envers toi, le comté et elle. Je ne pourrais rien sans ma très chère dame. Tu m'as fait réaliser à quel point la stupeur qui m'a frappé m'a amené à la négliger. Il faut que je voie ça de mes yeux. Oh, mon cheval est trop rapide là. Grimsby. Bjarte! Bjarte! Rentre à la maison! Oh, le ciel soit loué! La voilà! Unwald, je te croyais mort. Pourquoi ne m'as-tu pas fait prévenir? Mon absence a duré bien trop longtemps, mon petit bijou. J'en suis bien mari, crois-moi. Je vais bien, mon amour. J'ai un peu dépéri sans toi, mais la santé est bonne. Dis-moi, qui est-ce? Ah, oui! Je suis fier de te présenter Eivor, du clan du Grand Corbeau. Bonjour, Eivor. Ravi de te rencontrer. Moi aussi, Swanborough. Je ne savais pas trop quoi penser des histoires de Unwald, mais te voilà. Cela t'étonne de voir une Danoise auprès de lui? Pas vraiment. Plutôt de voir un Saxon auprès de toi. Unwald a le talent de savoir se faire aimer de tous. Eivor a accepté de m'aider à retrouver mon père. Mais ça ne s'est pas aussi bien passé que je l'espérais. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père est mort. Apparemment d'une cruelle maladie. Et il a fini inhumé dans une cave. Oh, mon cœur, je suis désolée. Quelqu'un de ton comté tient à s'assurer que Unwald suivra son père dans la tombe. Qu'il essaie, je lui trancherai la gorge. Une assemblée va bientôt se réunir. Unwald devrait rester ici, loin de tous, jusqu'à ce qu'il y participe. Et si j'oubliais tout ça, mon amour? Si j'oubliais le titre de mon père, si je restais ici avec toi, rien que nous deux? Non, Unwald. Ce comté doit être dirigé avec cœur et bravoure. Suis les traces de ton père et mène ce comté comme il l'aurait fait.
La force qu'il te manque, Swanborough te la porte. Écoute son conseil. Oui. Si quelqu'un peut me donner courage en vue de l'Assemblée, c'est toi, chérie. Entre et prends un peu de repos, mon amour. Porte-toi bien, Eivor. Et merci. Veille bien sur lui. On a cherché à le tuer, et plus d'une fois. Ma lame le protégera. Ah, ça, je n'en doute pas. Ok, pas de niveau. Ce sera pour la prochaine quête. Va falloir retourner là-bas. On va prendre ce point. Vite fait. Oula. 1300 mètres, hein, quand même. Tu m'entends ? Désolé, non, mais là j'ai pas le temps pour ça. On peut passer par là. Je vais pas me gêner. Ah non, merde, c'est pas tout ce que je voulais faire. D'abord, prendre ces points. Ok. Ah, juste 30 secondes AFK. J'arrive tout de suite. Ok, là c'est tout bon. Est-ce que je prends le deuxième point ou est-ce qu'il est trop loin? Là, je vais quand même y aller. Allez, 1000 mètres, ça va, ça le fait. Comme ça, je serai tranquille. Parce qu'il va sûrement falloir y retourner, ça doit être un loup, un sanglier. Que ça me donne à 8 cuirs hein, quand même hein. Ouais, je vais sûrement y retourner par là-bas donc comme ça je me ferai pas chier. Yeah.
Il y a un coffre. Pas sûr d'y aller. Là-haut. Oh oh. On va juste prendre ça d'abord. Du titane. Bon, on est bientôt dans la neige. Ouais, 190, normalement, c'est le point que je prendrai la prochaine fois. Et ici, ok, on y va, pas de souci. Allez, c'est par là-bas, on y va. Bon, le Elfgar, honnêtement, pas très confiance en lui non plus. La femme qui avait menti, j'ai oublié son nom encore, c'est la seule qui passera, je dirais, mais les deux autres me paraissent quand même assez louches. Hein. Bon, je suppose qu'on va tout de suite savoir si c'est le cas. Eivor, je suis heureux de te voir. Bienvenue en mon domaine, vieil ami. Fein Elfgar, tu diriges une quantité impressionnante de terres. C'est vrai. En nageant vers mon île, il m'arrive de me perdre dans cet océan de blé. Tu as dit que tu avais quelque chose à me montrer l'autre fois. De quoi s'agit-il ? Ah oui, c'est vrai. Admire. Ce très bel objet appartenait à notre bien-aimé Eldorman Unbeort avant qu'il ne nous quitte trop tôt. Il l'a laissé ici après notre dernière chasse. J'aimerais te l'offrir. Si cet objet appartenait à l'Eldorman, ne devrait-il pas revenir à Unwald ? J'imagine que si. Mais je pense qu'il te convient mieux. Toi, tu sauras comment t'en servir. Allons, prends et approche. Je nous ai préparé une chasse qui promet d'être belle. Oublions la politique et les assemblées. Profitons plutôt des fruits qu'offrent mes terres. C'est une chasse ou une cueillette ? Les deux, si tu le souhaites, comme tu voudras. Je partage volontiers ce qu'offre mon domaine, comme tu le verras. Pour être... Bon, l'arc léger, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse non plus. Mais je devrais augmenter, en fait, son niveau. Bon, je garde mon arc. Un grand ours met mal à l'aise mes terres depuis des semaines. Il faut s'en débarrasser, ne serait-ce que pour éviter une tragédie. Tu m'as fait venir ici pour chasser un ours ? Oui, et je suis heureux que tu aies accepté de venir. Je pense que tu sais mieux que quiconque que je suis en mesure de diriger ce comté. Si la lignée de roi est aujourd'hui éteinte, les gens de cette contrée demeurent pleins de vie et de promesses. Mais aujourd'hui, le comté se languit. Il a besoin d'être guidé par un sang neuf. Le mien. Pardon ? Je suis l'incarnation même du sang neuf. Je devrais peut-être postuler pour le titre d'Eldorman. Je reconnais là votre sombre humour, aussi direct qu'un marteau, hein ? Comme celui de votre dieu du tonnerre, le... Je ne retrouve pas son nom. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est que j'aime la compagnie de ton peuple. Ou des gens comme toi, même si j'en connais peu.
Et je me moque de ce que peuvent dire des idiots hautains comme Erefrit et Unvald. Les Danois sont des gens bien. Pas du tout bornés. Merci de l'avoir remarqué. Je me rappelle la venue des Danois, il n'y a pas si longtemps. Les gens d'ici étaient terribles. On va chasser, Elfgar, ou tu préfères que je te fasse détresse? Oh non, la chasse. La tanière de l'ours est près d'ici, je crois. Ça sent l'embuscade. Ah, mon vieil ami Grimm. C'est un plaisir de te voir ici. Une très bonne surprise. Une surprise? Je suis venu à ta demande. Oui, et comment va Grimsby? Et tous les autres Danois? Je ne peux pas parler pour eux, mais moi je vais bien. J'ai hâte de chasser, comme tu le proposais dans ton message ce matin. Oui, c'est vrai, parfait. À propos de Danois, j'aimerais te présenter Eivor. Vous vous connaissez peut-être, vous êtes tous deux Danois. Ouais. Nul besoin de t'inquiéter, Grimm. Elfgar a sûrement arrangé cette rencontre. Bonté divine, me voilà démasqué. Mais ce n'est pas une manigance, promis. Je suis un honnête homme et je crois que tous les peuples devraient vivre en harmonie. Voilà tout. Salut, Eivor. Il t'a aussi attiré ici en te promettant une chasse? Oui, une chasse à l'ours. Le but de tout ceci est bien une chasse. Je vous le jure. Ouh, l'embuscade. Il y a une grotte sur la hauteur, là-bas. Un bon endroit pour une tanière. Si cette bête est aussi grande que le dit Elfgar, nous ne serons pas trop de trois pour la battre. D'accord. Allons-nous chercher une nouvelle cape en fourrure, oui? Il y a toutes sortes de bêtes dans cette forêt. Sinon, on va voir ce que ça nous réserve. Nous aurons de quoi souper ce soir. J'ai un droit divin sur les terres de mon domaine. Dieu y pourvoira, n'ayez crainte. C'est le seuil de la demeure d'une bête, quoi qu'elle puisse être. Ce n'est pas un ours. Des loups. Bon, en tout cas, elle a l'air de se battre. Des loups partout, et passe un ours en vue. Brûle comme un fagot. Il sera bientôt un océan de flammes. Eivor, tu sais te battre et ça n'est pas à moi de te dire comment agir, mais de grâce, accorde-moi ton aide. Je me battrai à tes côtés. Ce ne sont pas quelques mercenaires qui nous font peur. Ouais, je sais plus comment ça se passe, mais c'est quand même bizarre tout ça. Yeah.